Bon, ça cuit. Voilà que Lolo Fodja a fait une sortie concernant Fleur de Lys. Elle dit comme quoi Fleur de Lys a tout inventé concernant Petit Pays et Amour, que tout ça c'était uniquement pour tuer son buzz, pour tuer l'émission qu'elle avait invité de Amougou et Amer Kamer. Et vu qu'elle dit carrément que c'est grâce à elle qu'Amer Kamer n'est pas parti à la soirée de Fleur de Lys, que vu qu'elle a mis l'argent en jeu, elle a proposé à Amer Kamer de passer à son émission. Et comme Amer Kamer a accepté, c'est pour cela que vous avez vu Amer Kamer a fait sa sortie l'autre jour. Il a dit que, oh, que de partir à la soirée de Fleur, lui au moins, si Lolo cachait Lolo Fodja le paye le transport, Lolo Fodja le loge et il est nourri en fait et blanchi en fait. C'est par rapport à ça qu'Amer Kamer a fait la sortie. Par rapport à ça qu'elle a mis sa date de l'émission le lendemain de la soirée de Flore et elle a donc proposé à Amer Kamer que si Amer Kamer pas à la soirée de Flore, il sera fatigué, il ne pourra pas assister à l'émission. C'est par rapport à ça qu'elle a mis l'argent en jeu et Amer Kamer est parti. Et tout ça aussi, elle dit que tout ça aussi, c'est un complicité à Rochiga, en fait. Donc, aujourd'hui, elle accuse Flore que, bon, que dès que Flore a vu que son émission devait prendre, les gens devaient parler de ça toute la semaine, Flore de Lys a inventé une histoire. Elle est venue parler certaines choses concernant Petit Pays. Elle dit qu'elle a causé Petit Pays. Lolo Fodja. Et en même temps aussi, elle parle aussi concernant l'histoire de Moustier le charismatique et sa femme. Elle dit qu'elle soutient la femme de Moustier, que la femme de Moussi a rejoint son camp, que si l'homme lui trompait, elle aussi, elle trompe, que ça devient l'histoire de tromper, qu'elle connaît tous les gars de Moustique, que Moustique, non, c'est la magie, c'est la chimamélu donnée à une femme mariée, que si peut-être l'homme te trompe, toi aussi, il faut le tromper. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas là où la maladie peut venir. On ne cherche pas de maladie. Vous deux, vous venez vous partager les maladies. Là, en tout cas, on écoute Lolo Fodja concernant son conseil et concernant l'histoire de la soirée du Fleur de Lys et on se reprend tout de suite. Mais quand même, comment vous allez revenir, hein? Vous revenez à l'émission parce que. Ce n'est pas fini avec vous. Les gens me disent que les gars là doivent revenir. Ils doivent revenir. Le concept est bon. Je vais vous expliquer quelque chose. Depuis hier, j'ai bien envie de parler de ça, mais je vais peut-être parler de ça. Je vais approfondir ça demain. Je vais vous dire quelque chose. Que une soirée s'est passée samedi dernier dans la place parisienne. Le dimanche qui suivait, nous avons lancé notre émission. Nous avons annoncé Amer, je l'avais annoncé des Amougou parce que je ne voulais pas annoncer les deux en même temps. Et elles sont parties faire les pots d'après ce que des Amougou m'a dit. Parce que c'est fait là, franchement. J'avais suivi un conseil de l'autre côté que faut jamais regarder les directs de tes adversaires ou les posts de tes adversaires. Ça va te détruire. Le mieux pour toi, c'est de jamais regarder. Ça, je ne regarde pas. J'ai bloqué tous ces parasites-là sur mes pages. Une fois que ça, que tu es fausse avec moi, il faut faire une émission où on a de Monaco aussi, mais elles sont libres de venir. Oh, qu'est-ce qu'il y a de dire dans l'émission, machin, tout, tout, tout. Et maintenant, j'annonce Amer Kamer, j'ai annoncé Amer Kamer parce que moi, je savais qu'Amer Kamer n'ira pas à la soirée. Parce qu'on avait déjà convenu qu'il devait être en émission. Parce que c'est si sorti le soir, rentré, il va être en une émission, il sera fatigué et tout. Et puis, il est protégé sa chérie au Shiga. Voilà alors comment je lance Amer Kamer. Les gens s'attendaient que oh, elle n'aura pas un carton plein dans son émission. Et ils se rendent compte que la soirée passe. Le lendemain, on avait fait une émission qui fait boum. L'émission prend sur la toile. Les gens qui nous appellent les ténébreux. Parce que moi, ce sont des ténébreux. Hein. Les lucifereux, là, ce sont ces gens-là. Ce sont les lucifereux. Je vais commencer à les appeler. Je ne sais pas si on utilise ce mot en français, mais j'ai inventé ma part de vous. On m'a dit qu'ils ont transmis mes émissions. On dit que l'autre là, il avait 500 personnes. L'autre avait les personnes. On va récupérer tous les vieux, on va déposer sur l'autre table. La prochaine fois qu'ils vont faire ça, capturez seulement, vous déposez ça sur l'autre table. Vous m'envoyez ça en ligne. Mais cette fille, ma soeur, je vais vous dire quelque chose, hein. Ma mère m'avait dit le mal finit par le mal. Quel temps soit le temps que ça prend, ça finira par le mal. Faut faire attention dans la vie. Mon réalisateur m'avait dit que quand tu as lancé ta TV là, même tes meilleurs amis seront ennemis. Ça m'étonne que vous résistez encore ceux qui sont là. Tu vas venir gâter, t'as le pasteur supérieur. Le pasteur supérieur, c'est mon frère. C'est à toi que le pasteur, faut pas se mentir, le pasteur lui-même le sait. Amen, quand même, parce que les points en Côte d'Ivoire, Amen, quand même, partout, sur tous les fronts de la toile. Donc, Amen, quand même, pasteur supérieur était là maintenant pour contrecarrer Amen, quand même, sur certaines choses. C'était le rôle du pasteur supérieur. Et il a si bien fait. Même Amen, quand même, m'a appelé que non. Parce que moi, je m'en framponnais. Amer Kamer lui-même reconnaît la puissance du pasteur supérieur. Amer Kamer lui-même reconnaît la puissance du pasteur supérieur. Il me dit que des comme que tu vois là. Amer Kamer me l'a dit que le lot des comme que tu vois là, c'est dangereux. Parce que moi, quand je regarde encore l'émission, je me dis que merde, des comme a failli m'avaler. Ils se framponnent, ils sont ensemble. C'est ça qui a fait la beauté de cette émission-là. Clash Amour, pourquoi? C'est pour casser le buzz de l'émission. C'est pour casser le buzz de l'émission. Parce que si on s'est rendu compte que l'émission est en train de prendre la toile, peut-être que la semaine, on va parler de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut clasher Amour. Pourquoi on oublie cette émission, on parle seulement d'amour. Et vous êtes tombé dans le piège. Vous n'avez pas passé toute votre vie à vous concentrer sur les dires d'une personne qui raconte des histoires sur la vie des gens. C'est un peu intelligent. Ça, je vois, parfois je regarde, je ne dis rien, dit que franchement, vous n'avez pas compris. C'était pour casser. Mais il y a 21 trucs qui n'existaient pas. Moi, j'ai appelé Petit Pays personnellement. Je l'ai appelé pas, c'est quelqu'un avec qui je communique. Quand je l'appelle, je l'appelle. Même parfois, il y a des États-Unis, je l'appelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu connais que Marianne, celle-là, je la connais trop bien. C'est une fille que j'ai étudié le personnage. Elle a science, elle dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour casser le buzz de l'émission là? Dame, il faut venir avec le Congo ça. Amouta dit que vous êtes tombé dans le piège. Oui, vous êtes tombé dans le piège directement. C'est ça qui a pris les réseaux sociaux. Et oui, ça a pris. Vous avez mis là, Mamouma. Vous ne pensez pas bien le personnage. Elle gagne confiance parce qu'elle n'a pas de la vie. Elle ne partage pas son point quelqu'un. Elle voit que tu as un peu de vie gênée. Elle sort de ce qui existe. Elle est vendeur de ce qui existe maintenant. Tu sais qu'elle a fait?
Et c'est qu'elle a fait. Et vous êtes tombé dans le piège. Elle a vu que l'émission a pris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un buzz. Je vous jure, devant Dieu, devant les hommes, elle-même, elle a regardé l'émission là. Elle a vu que l'émission a pris. Parce que même. Mais attends, tu regardes là, tu le lendemain, que des gens parlent de ça, ils sont sur l'émission, ils sont en train de transmettre ça dans leur page. Il y a un problème. Il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un moyen pour tasser ça. Le lendemain, c'est que Amouta dit que. Amouta est parti, dit que. Oh, Amouta dit que. Amouta a appelé petit pays. Amouta a raconté quand. C'est le mensonge. c'est le allô, allô. Et ça prie. Ça prie. Quand quelqu'un venu faire son buzz, vous êtes tombé dans le truc. Amout n'a jamais dit ça. Je vais parler de la terre de moustiques et des sangas. Prenez le temps. Ne vous mariez pas par rapport aux gens. Je vous dis, les jeunes couples, tu vois les jeunes se marier. Est-ce que les jeunes, avant les gens se mariaient, jeunes comme ça? Quand tu rencontres une personne, même pas deux jours, tu es à la mairie. Tu rencontres une femme, même pas une semaine, tu es à la mairie. C'est comment vous êtes connu, tu n'es pas prêt au mariage. Mais ils font ça parce qu'ils veulent attendre, ils se sont mariés, ils ont organisé la fête, les gens sont venus boire. Mais après ça, il y a quoi derrière? L'infidélité. Le gars, il a connu sa femme depuis, il se connaissent depuis très jeune. Je suis conscient. Mais une fois que le gars était à la Stamania, ce n'est pas la même personne qu'elle a connue quand il était jeune. Hein. Il y a l'image même qui a changé. Elle a connu la derrière. Elle a connu l'été lambda. Aujourd'hui, il est devenu star. Elle veut prendre le temps. Avant de s'engager, parce qu'elle voulait protéger son patrimoine. Ça dépend maintenant les clauses du mariage. Si c'était bien commun, elle va sa part. Mais c'était pas bien commun. Mais si vous voyez que ce soit les biens communs là, il y a des enfants au milieu. Même s'il n'y a pas les enfants, il y a des familles qui se sont déjà liées. Accuser la galère. Parce que si je parle de que maman le sait, je connais les choses comme ça. Quand une fille entend que le loi est sorti avec un gars, c'est là-bas qu'elle va l'imbina. Parce qu'elle va l'attendre qu'elle a sorti avec le gars du star. Moi je suis le star. C'est ça qui est ça. Parce qu'elle veut me prouver quelque chose. Alors si que je suis libre, moi je n'ai pas de copain, j'ai quatre coups je veux. C'est-à-dire que je me mets à l'aise, mais jamais dans ma maison. Aucun homme n'entre dans ma maison. Parce que les personnes qui viennent gonfler. J'aime tellement mon intérieur que je ne veux pas les ondes négatives. Lui c'est un infidèle. Je dis ça, parce que je connais Senga. Oui, je dis la vérité. Je connais Senga. Elle ne ment pas. Je connais Senga. Vous croyez que quoi? J'ai déjà dit aux femmes qu'un, les filles, un homme binda dehors, tu binda dehors. Ne la laissez plus. Les pleurs de quoi? Et les femmes, si, soutenons la femme là. Hein. Moi, je soutiens cette femme. Je ne blague pas, je vous suis. Je soutiens l'angala. Ce qui est sûr, c'est ça. Un homme binda dehors, ne te laisse pas faire. Je dis que ma loi, je dis avec toi. Tu me trompes, je te trompe, ça ne choque pas. Il n'y a pas une histoire que tu vas rester là-bas, tu vas me ramener le VIH. Tu vas aller ramasser le VIH, tu vas aller le SIDA. Dans la maison, on m'a dit que non, c'est quoi, parce que ton mari, par terre, fait des séries ici, avec la femme, la fille qu'on appelle Ali. Vous voyez, comment elle a connu une série de comme il ne savait quoi, il ne savait rien. Une fois qu'il est devenu star, il a commencé à mettre des tatouages au corps, mettre percé, perdu, il est devenu capter la Côte d'Ivoire. C'est là qu'il a commencé à voir qu'elle n'est pas belle, elle est ceci, elle est cela. Il a fui les parties prendre une fille qui est star comme lui. Maman, tu as bien fait. Il t'a trop trompé. Elle a fait quoi? Elle a fait ce que tu as dû faire. Qui a fait ça? Maman, je suis avec toi. C'est la loi de Lolo. Tu es en couple avec mon gars. Tu suis avec un homme. Tu me bina dehors, je bina dehors. Ça ne choque pas. Ouais. Tu peux ramasser ta part de manière, pas ramasser ma part. C'est tout. Si le nom qui prend la Bible, tape la Bible qu'elle a trompé mon gars. Il va démarrer le divorce. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et il faut voir les filles avec qui vous trompez. Il trompe avec celle là sans la merde. Il nous a demandé à son gars que tu fais quoi, Lolo. J'ai regardé celle qui dit que tu fais quoi, regardez moi celle-ci. J'ai dit, le gardien vient même souvent bien plus que le patron. On ne peut jamais dire ça. La femme de mon patron, elle est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Les servantes là. Il bide avec les servantes, ma. Il bide avec les servantes. On connaît les. Ouais, comment? Tu as vu les servantes du Cameroun là pour mettre dans ce moment les hommes. Je m'en vais dans un cinéma au Cameroun avec mes amis. Je sais pas comment les filles là tournent les rênes. Hey, donc. Les filles de merci quand vous restez là, mon gars est parti en vacances au Cameroun. Le mariage c'est l'engagement, le mariage c'est la fidélité, le mariage c'est le respect, le mariage c'est le dialogue. Tu ne peux pas te supporter, tu ne peux pas respecter cette loi de mariage, ne te marie pas. C'est tout simplement ça. J'ai vu la sortie de la Lady Paul, Lady Paul a eu une autre maman. Oh la star. Quand elle est présente, tout le monde a parlé, elle aussi a le droit de le laisser. Elle aussi a le droit de parler. Hein. Chacun donne son avis. Je ne vois pas pourquoi vous allez l'insulter. Elle même quand ça parle, si tout le monde a parlé, même moi j'ai parlé pour elle. Elle a le droit, elle est en prison. Elle donne son avis. Chacun donne son avis. Donc ton mari pas, donc tu as fait que ton mari pas fait dehors. S'il va ramasser la maladie, il va te donner. Tu vas dire quoi? Tu vas s'énerver. Donc il va prendre le sida. Il va te donner la maison avec ton mari. Mais maman, pardon. Il ne suis pas mon dans ma mari là, n'est-ce pas? Quand il part de mari, ils sont avec toi la maison de faire. Il ne tient jamais ton temps. Même tes succès des seins. Il est monté sur toi. Tac, 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 tac. Quand il part de Wata dehors, il va s'abattre dehors, maman. Il mange son top jusqu'à. Je dis que les lèvres gonflent. Il nyama son top. Les lèvres gonflent, maman. Il suce encore sa bouche. Maman, il mange son top. En fait, il bouche les parties, mais dans les fesses d'une gars. C'est la même bouche à qui vient prendre et t'embrasse avec. Les femmes souffrent, maman. Donc, il tombe, c'est normal, je suis mon mari. Moi, mes chops, ça part. Oui, c'est normal, il y a quoi? On se met à l'aise. Mais il te laisse, il ne va pas te retourner, il te garde dehors. Il chope ça bien, maman. Je vous dis, par expérience, hein. Il ne vous ment pas, parce qu'il y a comment avec nos mariés. Tu as sorti avec un homme marié. Je vous dis ça par expérience. C'est que le gars, là, fait souvent sur moi, il dit, hey, maman, on peut faire, maman. Là, tu crois, après la femme, elle est assise, son mari. Tu as dit, tu regardes, tu dis, que c'est la femme, tu peux même imaginer, c'est que son mari fait souvent sur mon corps aussi. Hé, maman, logique, même que tu as les madras. Maman, parce que la meilleure chope, hein. Quand un gars veut te chope bien, ton petit yamou, c'est quand tu as les madras. Hein. Oui, elle dit que le mauvais cœur. Elle veut que tu es marié, elle dit que chérie, tu me montres que tu m'aimes toi, moi, quand il y a les madras. Je m'en. Oui, elle avait fait ça. Les mythos, comme vous, les menteurs, les filles commentaires. Je dis qu'il y a des filles qui ont le mauvais cœur. Elle veut que tu es un homme marié. Hein? Mieux signer polygamie. Moi, monsieur, sinon, je suis mon polygamie. Après, c'est que mon mari m'a amené notre femme. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Mon mari a signé mon polygamie de quoi? Elle va être compris. Mais t'apprends polygamie, maman, maman l'avait compris. Nos mamans ont compris depuis. Nos mamans ont compris que l'homme noir aime la polygamie. Pourquoi vous allez attacher vos hommes à la maison? Vous voulez faire ce que nos traditions ne demandent pas. La tradition africaine que l'homme noir aime la polygamie, accepter la polygamie qui tombe sur ça. C'est tout. L'homme
quand ton mari a une joba dehors et il part chez la joba là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais qui ne fait pas. Donc quand il part, ne pleure pas. Dis seulement qu'il n'était pas à la hauteur. Le niveau là, ce n'est pas mon domaine. C'est tout. Quand l'homme n'avait pas suivi la garder, ça veut dire que maman, c'est petit trou. Ils aiment ça. Ils aiment... Et quand la femme dit, comme c'est que Marthe Pond disait, oh, je ne vais pas contre mon temps. Comment? Il y a les gens qui aiment dormir en bas de toi. Ils dorment là. Ils mangent, ils mangent. Ils font tiar. La salive de ça. Il est là en bas 3 heures. Il est en bas 3 heures de temps. Et ma fille dit même que ne lave pas ton dos. Eh, maman, les femmes, les femmes, des hommes infidèles. Mangez pitié de vous, les filles. Donc, quand ils ne font pas tromper son mari, ils ne devraient pas dire qu'elle a trompé son mari. Elle a trompé quoi? Elle a fait ce qu'elle a l'habitude de faire. C'est ça qui est ça, vous avez les règles. Je vous le dis. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre. Moi, tu parles ça. C'est qu'est-ce que c'est ça? C'est le meilleur moment. Qu'est-ce que vous allez voir? Marthe Pond dit que ce n'est praticable. Et que la femme, c'est une raison, tu as l'église dans le pasteur supérieur. Je dis qu'elle testez ça. Le moment que tu as tes badras là. Teste le fait que ton Dieu te niama le dos. Voilà, enfin, vous avez écouté comme moi le Lolo Fodja, la sortie de Lolo Fodja concernant l'émission de Fleur de Lys. C'est juste pour dire que Lolo Fodja, en fait, ne peut jamais accepter le bienfait ou alors le mérite de sa soeur. Elle voit bien que tout le monde a sollicité, tout le monde ne fait que féliciter Fleur de Lys, que oh, Fleur de Lys a réussi son émission. En fait, elle sort maintenant pour dire que oh, Fleur de Lys a tout inventé, qu'elle connaît bien, elle maîtrise bien sa émission. Tu ne maîtrises pas Fleur de Lys. Non, c'est une émission, elle ne devait pas faire carton. Dis, c'est toi qui as proposé à Mec, donc ça signifie que c'est toi qui étais derrière le boycott. Et c'est toi, vu que tu es derrière Oshiga, et Oshiga peut-être dit à même pas parler la soirée de Flore, et croyant peut-être qu'il n'avait pas parlé, ou il pensait que les gens n'avaient pas parti, oh, tant mieux, la honte maintenant c'est pour que la honte c'est pour vous, vu que Flore Delia a fait carton plein, maintenant vous, tu racontes que oh, Flore Delia a tout inventé, bon, supposons qu'elle a tout inventé là-bas, ça ne nous regarde pas, ça regarde que Pangongo et l'artiste et Flore Delia en fait. Moi en fait, ce qui m'intéresse dans tout ça, quand tu parles de c'est l'affaire de Moustil au charismatique, tu dis carrément que la femme de Moustil au charismatique, si tu es derrière elle, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas là où la maladie vient. Hein? Pourquoi? Parce que si c'est que l'homme a porté la maladie là-bas, il vient te donner. Pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui ont porté les maladies à cause de leur mari, à cause de l'infidélité de leur mari, que de nos jours maintenant, c'est que l'homme, que ta loi, c'est que l'homme te trompe, toi aussi tu trompes l'homme. Oui, pourquoi? Parce que quand maintenant l'homme va te tromper, il va porter la maladie, toi aussi tu peux aussi porter ta part de venir vous transmettre ça, lui donc. On ne sait pas qui a donné à l'autre. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu trompes aussi. L'homme aussi, en fait, toi, tu, en fait, ça signifie que toi, en fait, tu encourages les femmes à tromper leur mari. Toi, tu es comment là? Pour dire aux femmes que si ton mari te trompe, toi aussi, il faut le tromper. Pourquoi? Parce que dans le couple, il faudrait que les deux doivent se respecter. L'infidélité de la femme n'est pas pardonnable, mais l'infidélité de l'homme est deux fois pardonnable. Pourquoi? Parce que on ne contrôle pas ça. Pourquoi? Parce que je vais un peu près l'expliquer au sens que quand une femme se rend compte que son mari était lui trompé dans le mariage, il a fait l'enfant dehors. Le mari peut peut-être demander pardon. La femme accepte juste qu'elle prend l'enfant de son mari, elle l'élève. Mais tu ne peux pas voir que toi, une femme, tu te trompes ton mari jusqu'à ce que ton mari est au courant que parmi l'un des enfants là, tu en fais l'enfant avec le voisin, ton mari va te mettre dehors. Même si tu ne fais pas l'enfant et que ton mari est au courant que tu lui es trompé, ton mari va encore te mettre dehors. Oui, il va te chasser que non, il n'est pas vu une femme qui le trompe. Et si l'homme te trompe, toi aussi, il faut le tromper. Et c'est ce que toi, tu as dit à tes manières aussi de faire, en fait. Donc, c'est juste pour dire que faites très attention les réseaux sociaux que vous voyez là. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y en a qui sont là pour gâter les autres, qui sont là pour gâter les foyers des autres. Il y en a aussi que quand vous écoutez certaines choses sur les réseaux sociaux, sachez que ce n'est pas tout qu'il faut pratiquer. Pourquoi? Parce qu'une comme le Lofo, quand elle vous dit comme ça, elle, son mariage n'a pas donné à pas femme, Fleur de Lys et toi, ta jalousie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître le mérite, il faut encore reconnaître la place de l'autre. Pourquoi? Parce que dans le monde des blogueuses, elle te dépasse. Voilà le monde des showbiz qu'elle est entrée dedans. Elle te dépasse toujours. À un moment donné, il faut aussi réfléchir. Pourquoi? Parce que tu exagères déjà. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, c'est toujours le négatif. C'est toujours le négatif. Tu es toujours là pour montrer que non, tu as une bonne image, alors que, en fait, tout ce que tu fais, ce n'est pas bon et c'est sale. Tu es seulement là pour mettre à fleur les bâtons dans les roues. Concernant cette histoire, si aujourd'hui, tu n'as même pas honte de dire que c'est grâce à toi, que donc ça signifie que tu es parmi les gens qui ont boycotté Fleur. Oui, parce que si tu dis que tu as dit à mec, que si c'est qu'à mec, pas la soirée de Fleur, et que le lendemain sera fatigué pour qu'il vienne peut-être à ton émission, vu que vous avez organisé quelque chose dans les ténèbres, vous avez dit que bon, comme elle fait sa soirée, le samedi, toi, tu fais ton émission le dimanche, et dès là, il faut inviter deux personnes. Depuis quand tu invites comme ça, là, deux stars. Pourquoi? Parce qu'il fallait contrecarrer, il fallait quelque chose qui va faire bouger la vie. Elle a cassé le buzz. Pourquoi en fait, je ne vois pas qu'elle a cassé. Vu que sa soirée s'est passée, et maintenant, tout le monde, les gens lui ont félicité. Maintenant, elle aussi, elle est sortie pour remercier toutes ces personnes-là qui l'ont encouragée. Toutes ces personnes sont venues à sa soirée. Et c'était tant qu'elle parle. Elle n'est pas peut-être attendre une semaine. Non, elle est venue maintenant parler. Et toi, tu trouves qu'en fait, que non, oh, ton émission a pris l'ampleur. C'est parce qu'en fait, je vois que tu es juste jalouse. Pourquoi? Parce que tu as invité Amek de Komamoukou et maintenant ton émission, ce que tu pensais que non, ça devait faire le buzz, ça devait parler toute la semaine. Maintenant, Fleur de Lys est venue maintenant faire son direct
Et elle a tout cassé ça. Et c'est ça qui t'énerve. Oui, pourquoi? Parce que tu reconnais que non. Si réellement tu sais toi le Uno, pourquoi tu dis que tu as fait une émission avec les Américains de comment Moussa devait prendre les fleurs de la casser? Ça signifie qu'elle te dépasse en tout. Sa soirée a bougé à Paris. Elle est venue encore organiser, elle est venue encore pour remercier. C'est ça qui fait parler la toile et c'est ça qui t'énerve. Tu penses que c'est toi. C'est quand on parle de toi, tu dis que oh, ça signifie que c'est bien comprendre. Tu aimes toujours que quand tout tourne autour de toi. Et quand on parle de toi, t'es le Lomania sorti là-bas. Oh, laissez un peu le Lomania. Mon émission fait parler. Oh, mon émission donne le droit aux gens. Maintenant que tu as invité un mec à me dire comment ça n'a pas, les gens n'ont pas parlé de ça. Ça t'énerve. Tu viens maintenant faire une sortie, ça signifie que c'est toi qui es humain. Donc en fait, le Lomania, il faut dire aime quand on parle d'elle. Que ça soit en bien, que ça soit en mal. Et quand on ne parle pas d'elle, ça l'énerve. Quand on parle d'elle, c'est que wow, les gens sont jaloux de son émission. Maintenant, quand on te décide de te faire vu ignorer, elle reçoit encore pour elle, à tout prix qu'on parle d'elle. Donc, faites très vite pour une prochaine vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, abonne-toi, active la cloche de notification et n'oublie pas.